Yohou Niago Alé, docteur en biochimie, a reçu le prix du patronat pour l'innovation édition 2014. Prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La recherche a porté sur un antiseptique qui a cette capacité d'avoir un large spectre par rapport aux autres antiseptiques. Alors que les autres antiseptiques agissent soit dans les grammes positifs ou négatifs, le mien il agit dans les grammes positifs et négatifs. Toujours dans le cadre de l'innovation, 6 autres récipiendaires ont reçu des prix et 10 étudiants de l'université de Grand Bassam ont obtenu des bourses d'études. C'est très encourageant parce que ça montre que ce qu'on fait est reconnu et que ce n'est pas gratuit. Donc voilà, je suis très contente. Ces initiatives sont du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'innovation, la recherche sont un des facteurs clés de succès de la réussite économique et notamment dans le domaine industriel. Et donc nous pensons, à travers ces prix-là, susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales. Ce prix représente un levier important pour la promotion de l'innovation technologique comme vecteur stratégique de croissance et de développement de notre pays. Il faut donc nous souhaiter longue vie. Ce sont au total 31 millions de francs CFA qui ont été distribués aux lauréats du prix du patronat pour l'innovation. Les recherches ont porté sur la technologie et santé, la technologie et recyclage des matériaux et l'agro-pastorale.